Merci. Comme vous l'avez voulu, qu'ensemble avec ce public, nous pouvons vous aider à accueillir votre épouse, la princesse de ce soir. Et nous allons annoncer l'entrée glorieuse de Madame Gigotte dans la salle. Merci, DJ Incantique. Elle s'approche. Je tourne le regard vers Pasteur Pedro. Il est là avec un sourire aux lèvres. Elle annonce toujours qu'elle est la deuxième madame de ce soir. Parce que ça bouge plein de poésie. Qui va vous étonner ce soir? La mérite des Seigneur. Oh ouais. Ce soir, et désormais elle devient Madame Pedro. Qui n'ont pas pris. Voilà, c'est la saison de Madame Gigotte avec le pasteur Pedro. Nous allons inviter un grand homme de Dieu, le révérend pasteur Gabriel Iello, pour bénir cette soirée. Et on peut applaudir à son approche, s'il vous plaît. Que le Seigneur, le nom du Seigneur Jésus soit béni.
À tout Seigneur, tout honneur dit-on, nous voulons commencer par bénir le Seigneur pour ces moments rendus agréables et possibles aujourd'hui. Notre bien-aimé pasteur, comme nous, et Gigot, notre fille à l'église de Philadelphie ici à Dallas, et nous vous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Avant que je puisse prier, je vais dire que Gigot, que Dieu te bénisse. Je vis combien tu as été comme ça, comment tu as aimé le Seigneur, comment tu étais toujours assidu au culte et au moment de prière. Que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Dieu honore ce qu'il honore. Amen. Et t'a honoré. Amen. Amen. J'aimerais prier. Avant que je ne prie, levez votre main droite, adressez-le vers ces couples et dites quelque chose de bien à leur faveur pendant 30 secondes. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire grand merci. Grand merci pour ces moments agréables. Seigneur, au milieu des COVID qui assaillent le monde, au milieu de cette pandémie qui ruine plusieurs, au milieu de cette pandémie qui a endeuillé plusieurs familles, Seigneur, je prie et je résiste et je m'oppose à toute stérilité et de Jacob qui a vu de larmes en secret, qui a vu de pleurs comme monsieur, madame, tout le monde ne voyait pas. Puisse te garder fidèle à lui. Je prie pour ton serviteur, le pasteur, Seigneur, que son ministère puisse encore briller à cause des gigotes. Fais-le pour ta gloire. Merci pour le plus que Gigot amènera dans sa vie. Et merci aussi pour le plus que son mari apportera à Gigot. Que de bout en bout tu règnes. Que de bout en bout tu contrôles toutes choses. Règne et contrôle chaque détail. Je prie pour ce que nous allons manger. Je prie pour notre chemin de retour. Qu'il n'y ait pas accident ni incident au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas interdit dans cette fête. Et que tout se passe dans de bonnes conditions. Viens et fais ce que je te demande, Seigneur. Si tu viens, que tu le fais. Je te promets, c'est un autre programme. Les premières danses. La danse solennelle. Pasteur Didier, romantiquement, vous allez prendre votre chère épouse et vous allez sortir sur la piste pour votre première danse. Nous vous en prions. Salia sika na bosania
Merci beaucoup.
Merci. Batata, ba mama, mbote. Parce que ça risquerait de perdre l'image de mariage coutumier. Nous sommes ici pour un mariage coutumier et nous devons suivre les us et coutumes congolaises. Et à cela, nous ne pouvons pas oublier de nous acquitter des nobles devoirs, celui de vous dire merci. Sincèrement merci pour avoir accepté de rehausser à Didier Pedro. Merci. Il est le prince de ce soir, le roi de sa femme, comme elle appelle sa femme mon Seigneur. Il est nommé Didier Paolo Pedro. Et il est un pasteur, un serviteur de Dieu. Il exerce son ministère dans l'église sans précieux. Mais si j'ajoutais sans précieux de Jésus, ça ne serait pas un péché. Donc, comme il est là, c'est un serviteur de Dieu, un pasteur, d'où sa femme est bénie, d'avoir pour époux un serviteur de Dieu. Mais c'est Didier Pedro, est né le 20 septembre d'une certaine année. Et il va étudier dans l'Institut Bialala, où il va faire la science commerciale. Parce que il aime beaucoup le business, vous le savez. Après qu'il ait obtenu son diplôme d'État, ça va lui ouvrir la porte vers l'université, la plus grande université du Congo, communément appelée UNIKIN, où il va fréquenter la faculté des sciences politiques et administratives dans le département de relations internationales. Et comme il est là, c'est un licencié en relations internationales. Il faut comprendre que peut-être c'est en termes de cette science, comme il utilise bien les relations, qu'il a pu facilement séduire Maman Gigotte. Après cela, il ne s'est pas limité à ce niveau. Tellement qu'il est ambitieux, la volonté de servir le Seigneur également, mais Didier a dit, il doit perfectionner et consolider sa connaissance biblique. Et il va partir à l'Institut biblique des chemins de Maïs, où il est gradué en théologie. Et ça ne se limite pas seulement à ce niveau. Quand M. Didier va venir aux États-Unis, il va dire que pour moi, c'est le Seigneur d'abord. Je dois encore perfectionner ma connaissance biblique. Et il va fréquenter l'institution FIF Philoé Ministry USA à New Jersey, où il a subi sa formation biblique. Voilà M. Didier Pedro. Mais les gens vont se dire que avec toute cette litanie d'études là, mais il vient quand même de quelque part, bien évidemment. Mais c'est Didier Pedro sort d'une grande famille. Il est né dans une famille de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Et M. Didier Pedro
et les cadins. Et quand vous le regardez bien, évidemment, il a l'air d'un cadet. Il jouit de tous les avantages des cadets. Et la maman connaît bien qu'elle a affaire avec les cadets, avec les caprices, c'est possible. Hein, maman, il faut se préparer à conséquences. Parce que je le suis aussi, je connais toutes les conséquences et que ça fait un peu couler. Le grand pasteur est né d'une famille dont papa Kanumani Mutombo et maman Rose Chingota. De triste mémoire, les deux parents sont décédés et à cela, je vais vous demander de bien vouloir se tenir debout pour garder une minute de silence. Merci. Merci beaucoup. Comme tout Konga Kakolia, Fufuna Pondu. Mais seulement avec un peu de spécialité, moi et l'autre, Yakotumbato, Yakokalinga et Zangate. Ça fait du bien comme ça. Et la couleur préférée, comme tout bon serviteur de Dieu qui veut s'habiller bien, n'écarte pas la couleur blanche et noire. Il est tombé dans le piège et M. Didier Pedro veut toujours voir au-devant de lui ou s'habiller en couleur noire et blanche. Il a une histoire tellement longue qu'on ne peut pas finir ce soir. Et je vais résumer en quelques mots. Après ses études de fête, mais c'est dit, je vais international. Il s'est dit, je vais créer quelque chose dans la vie. Je vais mettre en pratique ma science commerciale et les relations internationales. Et il a fini par être un homme d'affaires international. Et comme elle est là, Azamutuya Bombongo, c'est un homme d'affaires. Il a mis sa science en œuvre. Merci, vous pouvez vous asseoir, le roi de ce soir. Didier, il est l'homme fort qui fait tomber son attitude d'un pasteur, mais que ça n'écarte pas, ça n'étouffe pas les sensations humaines. Quand il regarde sa princesse, la reine de ce soir, Madame Gigotte, il ne manque pas de sourire aux lèvres. Et sous vos applaudissements, nous allons inviter Madame Gigotte, s'il vous plaît. Madame Gigotte Pedro. Exactement. Il y a un poète qui a dit, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Voilà un exemple d'une femme qui vient de Vénus. Elle est ornée à la couleur d'or. Elle est toute belle. La princesse de ce soir, celle qui est capable de casser le cœur de M. Pedro et là, les rendre en morceaux. Merci, Maman Gigotte. Nous partons et laissez nommer Gigotte Manungi et désormais Madame Pedro. Elle est née le 20 septembre d'une certaine année. Des concordances commencent. Mais c'est Didier le 20 septembre. Elle aussi, elle est née le 20 septembre. Donc vous allez comprendre avec moi qu'il fallait que ce mariage ait lieu.
parce que c'est la nature qui l'a prévu. Ils sont tous nés le 20 septembre, je vous en prie, dans une famille de 8 enfants, dont elle est la troisième. Et elle est née de papa Antoine Manongi et de maman Thérèse Kachelewa. Maman Gigotte a fait ses études au collège Abbé Loya, où elle va faire la science commerciale, comme son époux. Quand elle a obtenu son diplôme en sciences commerciales, elle va fréquenter la grande faculté de la grande université de Kinshasa, Ibikin, et elle va fréquenter la faculté de droit. C'est une juriste toute faite comme elle est là. Elle va fréquenter la faculté de droit dans le département d'octroi privé judiciaire et option droit pénal et criminologie. Alors, elle est là comme pénaliste, celle qui fait subir la rigueur de la loi. Et elle a obtenu son diplôme de licence. Comme vous la voyez, toute belle, ornée à la couleur de Vénus, a une couleur préférée. Et quand on regarde bien cette salle, on n'a pas à se soucier ou à se poser des questions. Quelle couleur Maman Gigotte aime? Elle aime tout ce qui est doré. Donc, tout ce qui s'approche de la planète dont elle vient. Elle reflète, elle aime la couleur jaune. Merci madame, parce que c'est une couleur attirante et qui fait sourire. Parce que quand on regarde une fille habillée en couleur jaune, ça fait embellir aussi sa beauté. Merci. Et Maman Gigotte, quand vous épousez une femme qui ne mange pas beaucoup, attention, vous risquerez de commencer à dormir affamée. Mais elle le mange quand même. Même pas beaucoup, mais elle le mange. Et Maman Gigotte a un plat préféré. Elle aime manger du riz au pondou. Mais il y a quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille quand j'entrais. Mais le pondou là, ce n'est pas comme n'importe quel pondou. Il faut ajouter les tchakamadesu. Merci. Je crois que avec Maman Gigotte, nous nous limitons à ce niveau-là et nous allons la demander de se mettre assise. Faveur imérité ngayo nakutana nango nakutana nango écarté partout songande asenga mona ya yeso kitya bokondela ndanga na zamba bisika moto alukanga te si alukanga te never never leave me alone. He never leave me alone. From today you be the one I go dance for, my lord. Bitumananga longa eh, bikumananga ya mema. Bitumananga longa eh, bikumananga ya mema. Nga ya ya ya. Alongo langa zanye. Alongo na na na. Alongo langa zanye. Si, ndoto tenga. Azona waluka gina sale la ye. Na mitalinga, na bangi pona moni mbole munanga eh. Nzoka moko nzoye yaka yaka ponanga ye. Amikabane kulusu ponanga ye. Nga kumosali apamba, kumimopanga nanga ye.
bomba manaza makila moto soemba wa akoma intouchable na longa mikumba na nga ya mema bitumba na nga longa mikumba na nga ya mema Et c'est comme ça que nous sommes partis sur le monde invité à la piste.
Pastor Pedro,
Mama, you